Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker et partager la vidéo dans tous les groupes. Bahouri, nous allons commencer ce live encore pour dire à Monsieur Bahouri de se calmer. Le président Alpha Condé n'est pas son adversaire. Le président Alpha Condé n'est pas son égal. Il traînait derrière Feu Bamamadou et Feu Siradjo. À ce moment, le président Alpha Condé était leader. Nous allons rappeler à M. Bahouri qu'en politique, il n'y a pas d'âge. Ça concerne la vie de toute une nation. Même ceux qui sont venus nous vendre le rêve que c'est question de jeunes, c'est question générationnelle. On a vu la gestion des vieux et la gestion des jeunes depuis l'arrivée du CNRD. Il y a eu quel changement? Des jeunes voleurs, des jeunes malhonnêtes, tout, c'est-à-dire ils ont tout dit sur l'ancien régime, Gabeji et autres. C'est-à-dire Bahouri, vous avez des défis à relever, défis économiques, comme vous dites que vous êtes économiste. Faites des réformes. Vous prétendez devenir président. Aujourd'hui, vous êtes premier ministre, chef du gouvernement. Vous êtes avec des totos, des vauriens, des bons à rien. Au lieu de te mettre sur des plateaux, raconter des salades, au lieu d'aller chercher l'argent pour le pays, au lieu de créer des vraies réformes, comme Dr Kassori l'a fait, vous passez tous vos temps. Le président Alpha Condé, il doit se reposer, il doit faire ceci. En quoi il vous dérange? Est-ce que le coupure de courant, c'est le président Alpha Condé? Les gens que vous envoyez à la retraite, les familles que vous affamez là, c'est le président Alpha Condé? Non mais Bahouri, il faut te ressaisir. C'est quand vous n'avez rien à dire, vous vous mettez à raconter des bêtises. Regardez au Sénégal. La question a été posée à M. Sonko concernant le président Macky Sall. Ils ont dit qu'ils n'ont pas été élus pour venir juger un ancien président. Voici ce qu'a dit, malgré tout ce que Sonko et le président Diomaye Faye ont subi au Sénégal. Mais lorsque les journalistes, les médias les ont posé la question, ils ont dit que ça ne fait pas partie de leur programme de société. Voici des vrais hommes. Mais vous, des gens qui n'ont rien à faire. Président Alpha Condé, 1, 2, 3, président Alpha Condé. Mais depuis l'arrivée des bandits, le sac de riz. C'est pourquoi moi, j'aime tout le temps rappeler aux gens. Le sac de riz était à combien? Malgré qu'on a connu Ebola, nos frontières fermées, l'État guinéen a connu des difficultés. Mais le sac de riz, le prix des darés n'ont pas varié. Le sac de riz est resté 100 et quelques. Non, 230 000 plutôt. Mais vous, au lieu de faire des vraies réformes, vous perdez vos temps en embrouillant les gens. Votre programme de société, c'est le président Alpha Condé. Vous ne pouvez rien apporter. C'est de nous embrouiller. Alpha Condé, Alpha Condé, il doit se reposer. C'est le président Alpha Condé qui gère la Guinée aujourd'hui. Regardez-moi, bande d'incapables. Bahouri, vous êtes sorti ici pour mentir aux Guinéens qu'on a Bida a repris son argent parce que la Guinée avait suffisamment. Mais Bahouri, je ne savais pas que vous étiez un super menteur de la sorte. L'amateurisme. Vous avez géré quoi dans votre vie? Vous êtes incapable de rédiger des lettres à Bida. Voici pourquoi on vous a retiré les 31 millions. Parce que vous n'êtes que des amateurs. Vous ne savez même pas comment le programme, ça marche. Vous n'avez pas rédigé la lettre qu'il fallait à Bida. Donc, ils ont pris leur argent. C'est comme si c'est des bons à rien qui sont en face. Mais pourquoi vous sortez pour mentir aux Guinéens que Bida aurait dit que non, la Guinée a suffisamment d'argent? Bahouri. Bahouri, pourquoi vous mentez comme ça devant les Guinéens? Ça dit que vous ne trouvez pas de solution à ces problèmes-là. C'est toujours Alpha Condé qui appelle ses militants, qui ne dit pas prenez les armes, qui ne dit pas sortez manifester. Ceux qui ont la nostalgie du président Alpha Condé, ça aussi c'est ça la démocratie.
Mais le fait de saluer Fida Pluto, ou le fait de saluer le fait de saluer ces militants, vous êtes agité, vous êtes paniqué. Même le silence du président Alpha Condé, son silence, ça vous dérange. À plus forte raison, il appelle ses militants les saluer. Ça aussi, ça vous dérange, Baoul. Quand le président Alpha Condé est silencieux, les bandits ne dorment pas au palais. Et quand il salue encore ses militants, ceux qui ont la nostalgie du président Alpha Condé, boum! Non mais franchement, c'est une honte. Hein. C'est une honte. Il y a des problèmes sérieux dans le pays que vous ne pouvez pas résoudre. C'est toujours Alpha Condé, Alpha Condé. Pardonnez, laissez le président Alpha Condé se reposer. Maintenant, je vais vous faire écouter ce qui s'est passé hier au marché. Attendez. Partagez. Vous avez attendu. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les... Est-ce que vous êtes prêt à... Le pays Mora Borima Kinekine, un pays, Dieu nous a tout donné, l'eau, source de vie, Dieu nous a tout donné, de la forêt jusqu'en Basse-Côte, le Fouta, même en Haute-Guinée, Dieu nous a donné tout. Nos terres sont riches. La terre guinéenne, comparativement aux pays voisins. Mais voir ce peuple aujourd'hui en train de pleurer, ça fait pitié. Et toi, Esparo Dabo, tu ne vas plus voir moi ma vidéo encore. Je t'ai dit, de façon que tu es ethno là. Moi, de laisser Doumbouya, quand ils ont attaqué Doumbouya. Maudit là! Ton Doumbouya! Vous les maudits là, tu ne vas plus voir ma vidéo. Hein. Attendez, je vais te bannir. Parce que vous les maudits là, vous n'allez pas changer. Vous pensez que moi je suis ethno? Moi je suis guinéen. Je suis guerzé, je suis malinqué, je suis peul, je suis soussou. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus voir moi mes vidéos. Mbra Falunyene, vous les ethno là. Quand on est président pour tous les Guinéens. On n'est pas président pour une communauté. Voilà. Aladanga Deyao, le président Alpha Condé a reçu toutes sortes d'injures ici. C'est pourquoi il avait dit c'est un malinqué, c'est un cadre malinqué, c'est des malhonnêtes. Parce qu'Allah Fisulom Balia, Alte Tien fait. Bande de communautaires que vous êtes. S'il veut là, allié Doumbouya Rodjense. Moi c'est mon problème. Ils n'ont qu'à l'insulter comme on veut. Il a tué les gens. Un criminel, c'est injure qui fait mal. Ou bien c'est tuer les gens. Kongaye, quand ils ont insulté Doumbouya. Aliyaro frafra, ala kursi karo frafra. Moi, c'est mon problème. Regardez-moi des maudits comme ça, là. Doumbouya connaît le respect. Votre bandit de Doumbouya, il connaît le respect. Il a respecté son bienfaiteur. Mbrao le folie, quand la fissure l'ombalia, allez abonner là. Je vais te bannir, tu ne vas plus voir moi ma vidéo. Va sur les pages des communautaires, là. Ceux qui disent, en bansan, là, allez, ouais. Moi, je suis là pour la Guinée. Je ne suis pas là pour une communauté. Hein. Regardez-moi des petites personnes comme ça, là, qu'ils ont insulté Doumbouya. Ça dit, allez à la Kursika, à la Fani, Kabero, Frafra. Moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Lui, il a pris le président Alpha Condé le 5 septembre, tu as oublié. Mon fou, Yakuma, oui. Quand on dit on est président de tout le monde, on n'est pas là pour une communauté.
Moi, enlevez-moi dans vos bêtises là. Je vous ai dit, épargnez-moi de vos bêtises là, de vos combats communautaires là. Moi, je suis pas dans vos trucs de régionalisme. J'ai dit mon combat, c'est le nationalisme. Renforcer l'unité, si ça ne vous plaît pas, c'est votre affaire. C'est pourquoi quand je dis le nom de Selouda, ça vous blesse. Parce que le vivre ensemble, vous ne pouvez pas le supporter. Abraham 1, 2, 3. Ah non, non, non. Désolé, je reviens sur le cas de ces femmes-là. Tantôt, vous savez, ce pays fait pitié. Trop de malheurs depuis l'arrivée du CNRD. Les marchés de Zérékoré jusqu'à Conakry. Il y a eu trop de dégâts. Le dépôt. C'est comme si le pays est en feu. D'après eux-mêmes la dernière fois, qu'il faut faire des prières. Quelle prière on peut faire? Que Dieu va nous épargner. Je vous ai dit, on est assis sur le mensonge. Ces gens-là, tout ce qu'ils savent faire, c'est satanique. Des sacrifices sataniques. Enterrer des bœufs vivants. Chercher le sang des albinos. Ça dit, ça ne finit pas. Ensigné via coca. Et Nasra Renyar Birina Bafé. Biniaore. Tout le monde voit ça. Aller verser le sang. Chaque carrefour presque de la capitale. Même à l'intérieur du pays. Tout ce qui est contraire à l'islam ou même à la religion chrétienne. Ce que la Bible interdit ou le Saint-Coran interdit. Ces soi-disant dirigeants, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai dit les imams. Tant que imam de Oumou Nafgia, Flankafouya, vous les imams, tant que vous n'arrêtez pas d'associer certaines choses à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous a recommandé, vous pensez qu'on va avoir la paix? On n'aura pas la paix. Vous voyez que notre pays, on a tout, l'or, diamant, presque tout, bauxite, on a tout chez nous, même l'essence. Allez, on le fait la cour, Allah sosobara. Warala jamana susu koro. Herete jamana okono. Ala soso. Mobate bouyala yoro mino. Où on ne respecte pas les aînés. Où on ne respecte. Faisons un pas en arrière, vous allez voir. Là, ça n'a compté. Quoi qu'on dise, il a respecté Sékou Touré. Il a fait combien d'années? Même si on n'avait pas les grands projets de développement, mais on avait la quiétude. Malgré que la Guinée a été agressée, attaquée vers Guéguédou et autres, là, rébellion ou autre, Dieu nous a aidés à éviter le pire. Nous avons connu Ebola, ainsi de suite. Dieu nous a aidés. Mais depuis l'arrivée des bandits du CNRD au pouvoir, qu'est-ce que nous avons connu comme le bonheur? Qu'est-ce que nous avons connu comme le bonheur? C'est-à-dire des vauriens. On dit qu'on a créé notre république. Nous avons mis la constitution que pour être président, il faut passer par des élections. Le président Alpha Condé a duré avant de devenir président. Dans son passé, il n'a jamais appelé ses militants à descendre dans les rues, malgré que 93 qu'on disait qu'il avait gagné les élections. Tout ça pour le bien du pays. Des gens qu'il a élevés, des gens à qui il a tout donné. Des gangsters comme les Doumbouya viennent faire un coup d'état. Des bonnes personnes qui ont étudié, qui ont eu un niveau. Les docteurs Kassori, les docteurs Diané, les Damaro, tant d'autres qui ont fait des grands voyages, aller en Chine, aller signer des grands accords pour le pays, pour le bien, pour l'intérêt des Guinéens. Commencer à faire des barrages. Commencer des grands chantiers. Les échangeurs et autres, des vauriens qui n'ont pas de niveau, des bandits de bon à rien, des vagabonds, se lèvent, prennent les armes, kidnappent ces gens-là, renversent leur pouvoir, viennent se flanquer devant nous, que non, ils l'ont fait pour l'intérêt du peuple. Et certains ont applaudi, et certains ont cru à tous ces mensonges. Le 5 septembre, c'est le sang des Guinéens qui a été versé. Beaucoup de soldats. On est assis dans cette injustice.
on est assis dans ce mensonge que Dieu va nous aider. Wallahi, Allah mouhiri rabba mamoube. Tant que Moumou, tant que nous ne sommes pas droits, je vous ai dit, arrêtez de vous fatiguer. Il aura plus de malheur tant que ces gens-là ne sont pas droits. Personne ne compte Mamadi. Personne n'est sorti pour manifester. Hake. Hake. Vous savez, je l'ai dit depuis le départ. J'ai dit, Mamadi, tu n'auras jamais le bonheur. Ton pouvoir, tu n'auras pas la paix du cœur. Même ceux qui ont applaudi, c'est le Dalai, Sidia, ils sont où aujourd'hui? Neberi Naminde, le Kunduno, Hake, Hake, Nanana Dumbuya Fari, Hake. Mais comme les imams, Moura imami, Nafigia Nanafa, Andema, Mafala Birinde. Parce que quand Damaro parle, Mere, et Katafene toujours, et Radefo Sama Wayima, Nare des imams, Abiri Marade. Nere Masorera, Nafigia, qui refuse de leur dire la vérité. On a Naram Faria Moufa, parce que étant et contoflé remoussement et fourri. Et Rafala 4-4 Neira, Imam 4-4. Mais Allah Naram Fala, Narana Al-Quran a cru. Tingin, dis la vérité. Être droit, être juste. Moura Imam et fourri dans Qatar. C'est pourquoi est un Afalama. Les signes de la fin du monde, Kadunia Nyoma, et on va voir beaucoup de signes, des faux pasteurs, Alona Makoso Modeli, des faux imams, Alona Matoto Imame, l'imam de Matoto. Vous savez tout ça, là, quand on nous disait hier, on était petit, nous-mêmes on disait à nos Karamoko, voilà, mais que le Karamoko là est fou. Parce que quand j'étais en Afrique, je disais à mon imam, c'est-à-dire à mon Karamoko, mais il est fou. C'était des choses que je ne pouvais jamais imaginer. Fonto sur Amérique, on était petit, c'était ça. Na imam et on dit non di falade. Islam. Le christianisme. Tout ça, ça a été fait. Parce que Mre Sigama rappelle Nara. Les dimanches pour les chrétiens, vendredi pour les musulmans. Isiga, Djuma, Koutouba. Pour lire ça, ça dit ce que vous devez faire. Quand vous partez dans le sermon le vendredi, qu'est-ce que l'imam dit? Fornication, amoufan, birafé bore ragine fokora. Oh, fertani, l'orphelin, abuser d'un orphelin. Voici toutes ces conduites de vie qu'on nous enseigne lors du sermon du vendredi. Mais si on ne veut pas, on ne veut pas lire ce qui est dans le Coran ou dans la Bible, on ne veut pas nous enseigner ce que Dieu même a voulu, Dieu même qui a créé c'est-à-dire le monde, la conduite que lui veut, on ne veut pas. Les imams, c'est pour aller s'asseoir dans les mosquées. Mengeya alanara, moura la paix, nafigia woyentou. Mere fara e fadoro mukuma etana nafgiane e mere bonye fara mere galunaki bilenga fara naki non di fola fe na mere fara ebe na mere kobe ebe e ramasara dans l'intérêt de la nation et mon araba amade et préfère e galuna nafgia en train de mentir aux gens parce que eux quand ils vont dire ça c'est ce que veut ces bandits là endormir les consciences. Maintenant on les donne des 4x4. Oh de mouyabara 4x4 so nana na faitama ou placer leurs enfants. Vous vous rappelez la dernière fois, lorsque la Ligue islamique, ils ont envoyé des notes circulaires un peu partout pour dire aux gens, après la prière de vendredi, de faire des bénédictions pour la nation, vu tous ces incendies, qu'ils sont inquiets. C'est comme si on avait informé tous les fidèles après la prière de vendredi. Quand ils ont commencé, ils ont voulu toucher net. Les gens se sont levés dans les mosquées, presque sur l'étendue du territoire. Allo, mre, nous concorne, et re, edet, inafira. Non, di biri, non, di colon.
Biri non di colon, on refuse de dire la vérité. Bandiere Saora Bamoufari. Je l'ai dit, l'archevêque de Conakry, je lui tire chapeau. Chrétien Nanani Radé. Nena Ikine, droit. Sarake Nyare, Moura Imam Ina Abama. Jamais vous allez partir chez les chrétiens, ils vont faire des bénédictions bidon. Non, Imam Abama. Sarake Nyare, Mouta Musulman Inara. Abiri. Puis Allah Kine Kine m'a dit, comment Dieu peut avoir pitié de nous? Comment Dieu peut avoir pitié de nous? Mais Rendena, ceux qui sont droits, vous voyez que leur revenu, ce n'est pas grand, mais Dieu met de la baraka dans tout ce qu'ils font. Vous allez voir qu'ils sont heureux, ils vivent bien, mais quelqu'un qui a tout, il est malheureux. Maladie, maladie, malheur, bébé, femme, à la famille, oui, des décès. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas heureux. Tout ça, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui, les Baouris, hier, qu'est-ce que Baouri n'a pas dit sur le régime d'Alpha Condé ici? Mais il faut les voir aujourd'hui en action. Hier, pourquoi les Baouri, ils n'ont pas joué le rôle d'apaiseur pour dire non, face au régime d'Alpha Condé, tous ces mouvements de FNDC, non, 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 pour dire, ah, évitons ça. Pourquoi ils ne l'ont pas dit? J'ai dit, l'homme, certains, c'est des ingrats, quoi. Il a intérêt personnel. Moi, c'est pourquoi moi, je dis, moi, Damaro, je peux parler comme je veux. Et je ne suis pas du bureau politique de RPG. C'est vrai que je le dis à tout le monde. Je suis alphaïste, mais dans ma tête, je suis libre. Je n'ai pas été membre du gouvernement du président Alpha Condé. Ce n'est pas le gouvernement du président Alpha Condé qui m'a envoyé aux États-Unis. Moi, c'est la vérité que j'ai défendue. Mais certains Guinéens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Et c'est pourquoi j'ai montré à beaucoup de personnes ici ma photo avec Doumbouya. Pour que ces gens-là sachent que si je voulais être un opportuniste, si c'était mon intérêt personnel que je défendais. D'ailleurs, quand il y a eu le coup d'État, moi j'étais à Malé avec beaucoup de responsables du RPG. Mais je n'ai pas pris ça en compte. Moi c'est la nation, c'est la Guinée d'abord. Pourquoi depuis le début, j'ai commencé à interpeller l'UFDG pour leur dire de faire beaucoup attention. Ils sont face à des bandits. C'est parce que j'ai vu l'intérêt, j'ai vu le danger dans quoi étaient l'UFDG et les autres. Kaba Bakari, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. C'est logique. Il faut un soulèvement populaire. Vous avez parfaitement raison. Mamadi, aujourd'hui, ça je vous le dis. Si vous voyez que nos banques aujourd'hui, malgré des milliards qui étaient à la banque, l'argent, ils ont fait sortir. Blanchissement d'argent. Blanchissement d'argent, ils ont fait sortir beaucoup de milliards. Ils les ont placés à l'étranger. Ils ont acheté des biens immobiliers, vous savez. Ils ne peuvent pas prendre de la liquidité, aller mettre dans les banques en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Forcément, ils vont demander la provenance de cet argent. Donc, ils se servent des particuliers pour acheter des biens dans d'autres pays. C'est comme ça, ils font sortir leur argent, ils placent leur argent à l'étranger. Donc pour eux, ce régime-là, c'est déjà fini. La gestion-là, ils ne pourront plus satisfaire les Guinéens. Ils ne pourront pas rendre les Guinéens heureux. Je vous avais dit depuis longtemps, moi je parle, non. On dit que nous, on est opposés au CNRD. Malgré que leur faiblesse, leur carence, on expose tout ça là. Si le CNRD était capable de quelque chose, 18 500 personnes à la retraite. Il y a presque un vide dans l'administration. Ils n'ont pas pu gérer le paiement des fonctionnaires. Qu'est-ce que le CNRD pourra faire? Quel projet de développement? Vous avez tous les projets où ils sont flanqués aujourd'hui, tous les grands chantiers. Aucun financement ne vient des caisses, du budget de l'État. Donc ils ont compris.
Eux, ils cherchent même un grand mouvement. Comme l'a dit l'autre, tant qu'il n'y a pas un mouvement, un soulèvement populaire, c'est-à-dire tout le peuple, c'est-à-dire une manifestation illimitée, on paralyse tout le système de l'État. Personne ne part au travail. De Yomou jusqu'à Kassa, on arrête tout. Et maintenant, la communauté internationale, ils vont l'interpeller, ils vont dire, hey, il faut partir. C'est comme au Burkina, vous avez vu la population qui est là. Les Ibrahim sont venus. Il n'y a même pas eu de coup de fusil. C'est la seule solution. C'est le pouvoir du peuple. Et c'est là le bandit même, il va se sentir. Parce que les escrocs qui disent soutien, soutien. Même Doumbouya, il est conscient que ces gens-là ne l'aiment pas. Que c'est des gens qui cherchent l'argent. Donc, il faut ce soulèvement populaire pour les aider à partir. Akolo et Sanibara Giradilere et Yama Tofé, il faut les pousser pour que la vague les emporte un peu, quoi. Et Naden Reiki, ils ont peur. Regardez, il y a le procès du 28 septembre. Les dadis sont là, CNDD. Ça aussi, c'était un gouvernement de transition, non, en 2009. Aujourd'hui, c'est le procès des anciens dignitaires, les docteurs Kassori, Damaro et tant d'autres. Ça, c'est des gens qui ont géré la nation hier. Donc, tout ça, c'est sous leur règne. Donc, ils sont conscients que demain, ils vont passer devant la CRIEF. Et les crimes, aujourd'hui, qui se passent sous leur règne, ça va être la faute de qui? De Mamadi Doumbouya. Donc, il est conscient de tout ça. Il est conscient de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Mamadi est conscient de tout ça. Ses amis pensent à ça aussi, les Amara. Sinon, il y a beaucoup qui ont dit à Doumbouya, Ntéri, à Malinké, mon ami, il ne faut pas forcer la situation. Cette jeunesse est éveillée. Nous sommes au 21e siècle. Ce n'est pas le monde des années 80 où il n'y avait que des télévisions. On n'avait pas ces smartphones aujourd'hui. Malgré les restrictions aujourd'hui, nous, on arrive à faire des lives et les Guinéens arrivent à tout voir. Tout ce qui est caché, on arrive aujourd'hui à les exposer. Mais avant, qui pouvait oser? Il n'y avait pas de smartphone. Même c'était les appels directs. Il n'y avait pas les WhatsApp. Il n'y avait pas toutes ces plateformes de TikTok et autres là. Il n'y en avait pas. C'est pourquoi on ne peut pas imposer une dictature. Et c'est ce que le CNRD doit comprendre. C'est impossible. Et on a vu des leaders qui étaient là pendant des décennies, mais avec l'avènement des réseaux sociaux, le printemps arabe, dans plusieurs pays du monde. Ça ne passe pas. Et c'est ce que les bandits là doivent comprendre. Je vous ai dit, ça ne marchera pas. Ceux qui ont commencé à faire fuir leur famille. Regardez, hein, tout c'est dire, si vous prenez le temps du président Fakonde, eux, ils avaient la conscience tranquille. Damaro, sa famille était là-bas. Docteur Kassori, sa famille était là-bas. Docteur Djani, sa famille était là-bas. Le président Fakonde, tu vas dire quoi? Ses nièces et autres là, ils étaient tous là-bas. Monsieur Oye Gilavogui. Ça dit, ces gens-là, leur famille était en Guinée, ils vivaient en Guinée. Mais, le CNRD, où est la femme de Bala Samoura? Elle est où? Elle est en France. Où est la famille de Amara aujourd'hui? Ils ont même acheté des maisons et même une nouvelle voiture pour ses enfants pour aller à l'école. Au Canada. Tous les responsables du CNRD, eux-mêmes, ils savent que non, ça va mal finir. C'est pourquoi ils ont fait sortir leurs enfants, leurs familles à l'étranger. C'est pourquoi ils ont fait fuir leurs familles. Quand on sait que on n'est pas sur la vérité, on n'est pas sur la bonne voie,
On sait que ça peut péter. Eux-mêmes, ils sont conscients de ça. C'est pourquoi ils ont mis leur famille à l'abri. Et le jour que le peuple va sortir, ils vont tous fuir. C'est comme ça. Ça va être comme le cas de Blaise. De toute façon, Blaise et ses troupes ont fui pour aller en Côte d'Ivoire. C'est le même scénario. Mais nous ne voulons pas que la Guinée brûle. Et c'est pourquoi nous les demandons de partir dans la paix. C'est pourquoi nous vous demandons de partir dans la paix. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Amara, je vous ai dit, c'est vous qui allez souffrir. Docteur Kassouré aujourd'hui, sa fille peut l'aider à survivre. Docteur Diané aujourd'hui, il a des garçons qui peuvent l'aider à survivre. Damaro aujourd'hui, ses enfants, ils ont tous la nationalité. Ils peuvent travailler aux États-Unis ici, l'envoyer quelque chose pour survivre. Mais Amara, regarde, tu viens d'acheter une nouvelle voiture pour ton enfant, non? Prends un chauffeur pour l'envoyer à l'école, tout ça. Mais toi, si on te prend aujourd'hui, si tu n'envoies pas, c'est fini, Amara. C'est vous qui allez souffrir. Bala Samoura, c'est pareil. Vous, vos enfants là, ne sont pas responsables. Mais les enfants des autres là sont responsables. Et vous devez penser à tout ça. Ce que vous avez semé aujourd'hui là, c'est ce que vous allez récolter demain. On a dit non, le président Alpha Condé est venu. Oh, les anciens de Conté, malgré que certains voulaient que le président Alpha Condé arrête les cellules d'aller. Ça allait nous apporter quoi? Quand on a une vision ou un programme pour son pays, on ne vient pas s'attaquer à ses adversaires. La démocratie, c'est ça aussi. Il faut une opposition. Il faut qu'il y ait des gens qui disent c'est la gestion du pays. Il faut que certains disent non, on n'est pas d'accord, ça ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui, les bandits, les voyous là, ne veulent pas entendre ça. Tout ce qu'ils veulent, il faut faire taire tout le monde, que personne ne parle. Tout ce qu'ils ont reproché au président Alpha Condé, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils ont fait pour que les gens puissent oublier le président Alpha Condé? Il n'y en a pas. Donc, les partis politiques, resserrez les rangs. Moi, je vous ai dit, attendre jusque le 31 décembre, c'est de donner du temps aux bandits. De la manière qu'ils se sont levés pour dire, pour enlever le président Alpha Condé, vous devez faire la même chose. Vous devez vous lever pour ne plus reconnaître ces bandits-là. C'est très simple. C'est quelqu'un qui a été mandaté qu'on dit, ah non, on va violer la loi ou ainsi de suite. Mais ces gens-là, c'est des hors-la-loi. Ils n'ont pas respecté la constitution guinéenne. Ils font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Mamadi avait dit devant tout le monde, il a juré qu'il ne sera pas candidat, qu'il n'aura pas un jour de plus, qu'aucun membre de son gouvernement ne sera candidat, malgré que l'opposition guinéenne est restée calme. Le gouvernement formé, si d'ailleurs il y avait l'opposition parmi les membres du gouvernement, on allait nous dire, ah non, la mauvaise gestion, c'est juste du sabotage pour énerver. Mais heureusement, Mamadi, c'est lui-même qui a choisi tout. On a entendu ces bêtises ici à un moment donné, pas de recyclage. Comment un tonneau vide peut nous dire pas de recyclage? Mais c'est le résultat. Lorsque un tonneau vide gère un pays, le résultat, c'est catastrophique. Il n'y a pas eu un gouvernement d'union nationale. L'opposition n'a rien à voir. C'est lui qui a tout choisi. Et c'est le résultat. Il doit assumer que nous ne voulons plus continuer avec des vauriens. Même une seconde à ces vauriens-là, le peuple en a marre. Rien ne va. Encore, les amis de Doumbouya, Mbara Falunyene, situation forcée, Atenana Mamadi Mademena. La mangue est mûre. La mangue est mûre. Bébrassé à l'autre dollar. Ils imposent la force
pour intimider les gens. Mais au fond, alors t'es moi aussi là. Hein? Donc, mettez en tête que ça ne passera pas, ça ne marchera pas. Atenana bena le feu. Ni au foyer. Vous pouvez changer la donne pour sortir par la grande porte. Mais si vous voulez sortir par la petite porte, vous pouvez aussi forcer la situation. Ça aussi, c'est le destin de la Guinée. Voilà. Malgré que vous avez fait le coup d'État le 5 septembre, tuer des gens, la vie des Guinéens ne se sont pas arrêtés ce jour-là. Donc, vous, votre sort, nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ce qui va vous arriver, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Donc, c'est vous qui savez si vous allez forcer la situation ou si vous allez vous asseoir pour dire le cerveau est là pour réfléchir, pour analyser les choses. C'est dans votre intérêt. Mais si vous ne voulez pas comprendre cela, vous voulez montrer que non, c'est les armes là qui vont nous faire peur, continuez sur ça aussi. Il y avait des hommes plus forts que vous sur le continent africain. Ils sont partis. Vous n'étiez pas plus fort que Blaise. Blaise a fui son pays. Vous n'étiez pas plus fort que El-Béchir. El-Béchir est parti. Il y a eu des grands hommes. Vous n'étiez pas plus fort que Robert Guéhi. Vous avez vu comment Robert Guéhi est parti. Vous n'étiez pas plus fort que les Samuel Do. Vous avez vu comment ceux-ci sont partis. Vous n'étiez pas plus fort que Charles Taylor. Mais vous avez vu comment tous ceux-ci-là sont partis. C'était des soldats, des militaires. Ils étaient plus forts que vous. Mais ils sont partis. Ok? Donc, on vous dit votre dictature là. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas laissé votre bienfaiteur. Les raisons que vous avez citées, en enlevant votre bienfaiteur, vous ne pouvez pas venir nous imposer tout ça là. Non. Vous avez des troisième mandat. Donc, c'est les autres qui sont maudits, quoi. C'est vous qui êtes béni. Le titre foncier de la Guinée, là, ça appartient à vos papas, quoi. Je vous ai dit, jusqu'à présent, c'est parce que vous n'avez aucune notion de la République que vous agissez ainsi. Mon frère Pitaka, j'espère que tu vas bien. Donc, bon, j'ai essayé de te prendre là, je ne sais pas, il y a quoi, c'est ton... Bon... Non mais franchement, il faut que nous nous levions tous ensemble pour faire partie de ces gens-là. C'est pourquoi j'ai dit à certains de mettre bas la terre, de voir l'intérêt supérieur de la nation. Mon frère. Allô. Ouais, mon frère, comment ça va? Ça va, Peter Dakar. Ouais. Tu avais le document dont je te parlais, tu avais vu l'article qu'ils ont commencé à diffuser, comme aujourd'hui, les presses les plus suivies. Tu as vu l'article? Voilà, exactement, j'ai vu ça. Voilà. Donc, ça fait partie de leur propagande. Déjà, mettre dans la tête des Guinéens que Mamadi va être candidat. Et maintenant, essayer de voir faire des petits débats pour voir ce qui va être la réaction des gens. Mais ils n'ont rien compris, ils vont se tromper eux-mêmes. Voilà. Non, tu sais, ils veulent... en fait, ils veulent tester. Et puis, j'ai vu le gars là, c'est un proche de l'autre là, Tchernou Mamadouba, à la présidence. J'ai vu des photos, ils prennent souvent des photos. Ces médias là, que ce soit Média Guinée, Africa Guinée, tous les PDG de ces médias là sont nommés comme des directeurs. Donc, c'est des gens qui travaillent avec le CNRD, qui travaillent avec les Ousmane Gawal pour faire la propagande. Et c'est pourquoi ils ont pris la décision, vu que les médias étaient là à les déshabiller, à les exposer, il fallait fermer parce que ça n'allait pas passer. Mais ils n'ont rien compris. Et parce que ce que Kagame a reçu il y a 20 ans en arrière, ça ne peut plus marcher. C'est ce qu'on a dit. Quand Kagame s'est imposé, il n'y avait pas les réseaux sociaux étant toutes ces plateformes-là. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas venir imposer une dictature avec cette jeunesse aujourd'hui. Non. Malgré les restrictions, qu'est-ce qu'ils ont pu faire?
Le peuple a compris la vérité. Malgré qu'ils font des... Ils ont payé des journalistes. Ils ont payé des journalistes pour faire la propagande. Mais ils oublient l'essentiel. Les gens ont faim aujourd'hui. Les gens ont besoin d'être en sécurité. Les gens ont besoin d'être soignés. Ils ont oublié tout ça là. Ils se jetaient dans des futilités. Donc... Non, tu sais, en fait, hier j'écoutais, j'ai envie de mettre là, il y a un gars qui était en train de regarder, je regarde même pas ce TikTok là. ce qui se passe en fait, avant-hier même, je regardais un live avec quelqu'un, et un monsieur me dit, il dit, écoute, les médias sont fermés, maintenant nous, pour nous informer, on va chez Damaro. Je dis, mais, tu vois, moi, mes pages actuellement, et quand je dis aux gens, ils ont mis plus de 15 millions, pas que nous seulement, même les médias, pour brouiller tous les systèmes. Pour eux, il ne faut pas que la population soit informée. C'est-à-dire, toute leur stratégie, ce n'est pas de mettre des programmes de société, de développement en place pour aider la population. Les docteurs Kassori sont venus avec des programmes de Agnès, Anafik, tous ces grands projets-là, pour aider la population. Mais eux, ils n'ont pas de programme. Comment, si ce n'est pas aller dans les mosquées pour dire aux imams, ah, il faut prendre la paix. Et puis, tu sais, moi, ce qui m'étonne, c'est que dans les six premiers mois, Mamadi sortait dans Conakry. Il faisait des bains de foule. Mais Mamadi ne fait plus de bains de foule. Pourquoi? Mais il est conscient. Tu as parfaitement raison. Lorsqu'ils sont venus, tu te rappelles, Ousmane Gawal l'avait dit, que l'argent qu'ils ont, que depuis l'indépendance, qu'aucun gouvernement ne l'a. Donc, il y avait l'argent pour organiser des concerts géants. Et même Eli Kamano ont reçu même près de 2 milliards de soutien. Je ne sais pas quoi là. Il avait son organisation humanitaire pour aider les malades, tout ça là. Donc, il y avait l'argent. Et pendant ce temps, les gens ne savaient pas. Il y a une mosquée au palais maintenant ou pas? Parce que Mamadi allait les vendredis dans les grandes mosquées, dans les mosquées. Maintenant, il y a une mosquée au palais. Mon frère, quand la peur change de camp, c'est comme ça. Moi aussi, quand c'était chaud, RPG, UFDG, il y a des endroits aussi, je ne mettais pas mon pied. Bon, moi, maintenant, là, je peux mettre mon pied là-bas. Donc, la peur a changé de camp. Mamadi pouvait aller prier à Bambetou. Mais si les hommes n'ont qu'à aller là-bas maintenant, si, il passe même. Est-ce que Mamadi même part même à Frocaria? Toutes les sorties hors de Conakry, c'est en vol. C'est seulement ces événements qui passent en vol. Il fait le tour de son palais. Déjà que les commandos de l'attaque de la maison centrale, ils savent que ces gens-là, à tout moment, ont bien maté ces éléments. Au carrefour de Donkin là. Donc Mamadi a vu la vidéo. Il s'est dit que le jour que les gens là vont sortir face à face devant moi, c'est que c'est fini pour moi. Mamadi est conscient de tout ça. Il faut demander à quelqu'un s'il peut prendre la photo de façon discrète devant le palais M5. Tu vas voir que ils ont mis un dispositif impressionnant et même les bétons armés là. Mais le président Alpha Condé qui était civil. Oui, le président Alpha Condé qui était civil n'avait même pas mis ça. Mais demande quelqu'un aujourd'hui. Tellement que mais il oublie que le rat, pour faire sortir le rat, si le trou c'est trop, on envoie la fumée. Donc, quoi qu'il fasse, nous on va mettre le feu devant le trou et il va sortir. Les gens n'ont pas besoin d'aller le cueillir là-bas. Exactement. Il n'a qu'à mettre des forteresses. Mais fait, moi, ce qui me fait rire parfois, il pense qu'en donnant les armes à des jeunes qui sont formés à 6 mois, 7 mois, on dit force spéciale. Ça, regarde comment ils ont fui la dernière fois, devant les vrais militaires. 3 militaires les ont fait fuir dans un camion. Pitaka, est-ce que tu avais bien visionné la vidéo? Non, mais ça, j'ai été impressionné des commandos. Ça dit, vous cherchez quelqu'un. Eux, ils vous voient, ils vont tourner, ils viennent vers vous. Malgré que vous tirez sur eux, ils ne fuient pas. Mais c'est vous qui prenez la fuite. Ça veut dire que il y a garçon et il y a glaçon. Donc, tu as vu les enfants de Granco, ce n'est pas pour rien. Il les a gardés comme des boucliers. Parce qu'on dit,
Son fils, la Koï Koï, c'est l'un des chouchous. Voilà, comme on dit, boulot dans les familles. Donc, c'est pourquoi même l'ex-femme de Pivi est en prison. C'est pourquoi, quand je dis, certains disent, oh, Pivi, est-ce qu'il a envie des trucs? Je dis, c'est parce que vous, vous êtes bête dans la tête. Mamadi, c'est pourquoi les gens-là, ils les gardent. Est-ce que c'est des militaires? Mamadi, c'est pourquoi ils gardent ces gens-là. C'est au cas où il va faire moins de Voilà, sens. et il connaît très bien Verny Pivi. Qui est Verny? Il le connaît très bien. C'est l'ami de Michel. Il sait qui est Verny. Et ce n'est pas que Verny. Tu as vu ces commandos-là? Ils sont tous bien battus. Il n'y a pas Et de. puis c'est des gens qui ont fait la guerre. C'est des gens qui ont fait la guerre. La majorité, c'est des anciens militaires même. Beaucoup ont été radiés. Il hein. Faut pas les voir comme ça. C'est des vrais commandos. Donc, et en plus, tu sais que on dit il y a voiture blindée. Eux, c'est des hommes blindés aussi. Hein? Non, mais Mamadi, c'est regarde tous les jours. Moi, à mon avis, il est fatigué. Il n'arrive pas, mais il est fatigué. Hein. Ils sont complètement fatigués. Ils sont fatigués. Moi, selon mes formateurs, le monsieur aujourd'hui, il est malheureux. Mamadi passe tout son temps, des fois, à insulter les gens là-bas, quoi. Il ne contrôle rien. Il ne sait rien de la gestion du pays. C'est-à-dire, quand je vois le projet Simandou, ces gens-là en train de signer des accords bidons, ils n'ont pas étudié, ils ne connaissent rien du tout. Et. Et puis tu sais, même l'accord cadre là, moi j'aurais voulu qu'ils nous disent il y a quoi dans l'accord. Parce que l'accord cadre veut dire il y a combien de minéraux qu'on va extraire, c'est quoi le prix, combien de temps, c'est quoi les taxes. Mais ils n'ont qu'à nous dire il y a quoi dedans. Ils n'ont qu'à nous dire. Mais on a signé l'accord cadre. Les Guinéens, ils écoutent ça seulement pour eux, tout est fini. Mamadi pense que lui, il va exploiter Simandou là. Parce qu'il s'est dit aujourd'hui, les recettes là, ça ne peut pas l'aider à gérer. Mais Alpha Condé, c'est pas les recettes qui ont aidé Alpha Condé à asseoir notre économie comme ça. Donc, il parle de la bonne gestion. Mais le président Alpha Condé, guichet unique là, qui a amené? Ce n'est pas le président Alpha Condé. Ce n'est pas ce qui lui a permis de contrôler tout, voir l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Mais si eux, ils viennent nous parler de CRIEF, nous parler de la bonne gestion et des bêtises là, malgré qu'ils ont augmenté les tarifs, les impôts, mais avec tout ça, les factures d'électricité et envoyer des Ça, fonctionnaires à la retraite, ils n'ont pas créé de grands projets comme au temps du président Alpha Condé et ils sont incapables de redresser cette économie. Donc, non, pour moi, ils vont partir. ils doivent dégager dans l'intérêt de tous les Guinéens. Donc, Non, moi, j'attends plus. Moi, il n'y a plus d'élection avec eux. Moi, j'attends plus d'élection avec eux. C'est fini, moi. C'est terminé. C'est terminé. Je perds mon tu temps. as vu, même les indécis là, Ousmane Kaba, lui aussi, il est revenu. Il Oui, commence à revenir à la raison. Lazara Kouyaté, c'est seulement Faya Minimouno qu'on attend. Parce que lui Mais aussi, il est où? Il a disparu. non, il est là-bas, il est en train de négocier, tu sais, les nominations là, genre aussi délégation et autres là. Chacun essaye d'avoir leurs éléments un peu. L'influence. Voilà. Dans la. Non, Faya, il est décevant. Moi, le Faya que moi je connaissais avant, c'est le Faya là que je vois aujourd'hui. Frère, On dirait qu'il a eu un accident cérébral. Il a il faut tout jamais oublié. faire confiance à un politicien, c'est ça le problème. Surtout un politicien qui n'a pas les moyens. Tu sais, c'est ce qui fait défaut en Guinée. C'est des gens qui n'ont pas d'entreprise. Donc face à l'argent, tu as vu Elie Kamano, quand vous prenez tous les tests de Elie Kamano, ces tests, c'est raisonnable. Mais quand vous prenez sa personne, lui, partout où il y a l'argent, il va aller là-bas. Donc c'est ça son problème. Hein? Tu vois, il ne vit pas de ses œuvres. Mais quand tu écoutes ses musiques, ça enseigne beaucoup. Mais, Exactement. et c'est ça le problème de ces Guinéens-là. Tu sais, Eli Kamano, moi, je pense qu'il a fait une erreur. Il aurait dû rester dans la musique. Voilà. Mais comme La contrefaçon. lui savait que Mamadi allait. 2 milliards, c'est pas petit. Lui, il avait quoi? Et après, il a acheté Range Rover, tout ça, là. Il a commencé à construire. C'est ça le problème. Sinon, sans quoi, s'il est libre, il dit la vérité. Mais face à l'argent, là, tu sais, il va faire ça tout de suite, là. Mamadi, s'il y a l'argent, on l'appelle tout de suite, là. Il va changer encore. Il va dire, bon, il va attaquer
vieux leader là encore. Tu vois, c'était ce qu'il faisait au départ. Mais maintenant, là, est-ce que tu l'entends parler de quelqu'un? Bon, il n'y a pas d'argent d'abord. Il n'y a pas d'argent pour lui. Il n'y a plus d'argent, les caisses sont vides. Le pays. Mamadi, non, les gens, Mamadi va sortir. Mon frère, c'est pourquoi moi j'ai dit le vieux, Dieu a fini d'honorer Alpha Condé. Tu sais, quand tu travailles, quoi que tu fasses, les gens disent, ah, tu prépares, tu mets la viande. Ils vont dire, oh, viande toujours, oh, viande toujours. Quand tu vas quitter là, quelqu'un qui va venir là, il n'y a pas de viande là. C'est là que vous allez dire, ah, nous-mêmes on voulait poisson, mais déjà viande là aussi, on ne va pas avoir. Ah ouais, c'est le cas des Guinéens. Le président, il a tout fait pour ne pas que la vie soit chère. Il s'est battu, il a donné de l'engrais aux agriculteurs. C'est-à-dire améliorer les conditions de vie des travailleurs de l'administration. Il a tout fait. Maintenant qu'il est parti, demande quelqu'un qui travaille dans l'administration. Ils vont te dire que le temps d'Alpha Condé... Tu sais pourquoi? Moi, avant, je t'explique. Hein. Avant, si j'envoie 50 euros à quelqu'un, même 100 euros, la famille, 100 euros sont tous 100 euros. Maintenant, même si j'envoie 20 euros à quelqu'un, il est content. 20 euros. Ah, Pitaka, moi, je pensais que vous étiez le seul. Tu sais, avant, tu envoies 100 dollars à quelqu'un en Guinée, même 200 dollars, il ne va pas t'appeler qu'il a reçu. Tu vois, non? Même, c'est-à-dire te remercier, même, ça, c'est autre chose. Maintenant, comme tu l'as dit, envoie 50 dollars à quelqu'un. Il va bénir pour toi. Enfin, qu'aussi tu sais, l'argent là, dans quelle situation, l'argent là m'a trouvé. Donc ça veut dire que rien ne va du tout, mon frère. Il y a l'autre qui me disait, il y a un imam là, que sa nièce vient de quitter la Guinée, qu'elle dit que Mamadi est en train de travailler, faire la même démagogie que KFOF là, qui allait sur voir l'échangeur de Bambeto. Et qu'il dit qu'il n'y a pas d'embouteillage. Après, j'ai dit à l'imam, quand tu vois que la face, tu ne vois pas l'intérieur, j'ai dit c'est très grave. J'ai dit aujourd'hui, s'il n'y a pas d'embouteillage en Guinée, les raisons c'est très simple. Tous les propriétaires de véhicules ont garé leurs véhicules. Quand on dit embouteillage, c'est les véhicules. Quelqu'un qui n'a pas l'argent pour acheter l'essence, comment lui il va rouler son véhicule? Tous ces petits directeurs là ont garé leur véhicule. Comment nous pouvons avoir de l'embouteillage? Prenons seulement les grandes villes comme Zérékouré, c'est les motos, Cancan, c'est les motos. Mais aujourd'hui, va dans ces grandes villes et faire le constat aujourd'hui, il n'y a pas de circulation. C'est qu'il n'y a pas d'argent. Quelqu'un pour aller, il pouvait se lever, aller saluer un ami de l'autre côté pour aller faire du thé aujourd'hui. Tout ça là, ça ne marche plus maintenant. Tu vois? Et... Tu sais, la seule chose qui les maintient encore, c'est que les jeunes sont tellement sortis qu'aujourd'hui, il y a très peu qui manifestent. C'est pour cela que c'est ça qui s'est calmé. Et même ceux qui sont restés aujourd'hui, regarde, on parle de plus de 18 000. Les gens ne se rendent pas compte quoi. Si les gens vraiment analysaient le danger de cela, 18 000 personnes, il faut multiplier ces 18-là à 5. Parce que c'est des pères de famille qui ont 5 personnes à peu près sous leur charge. Quelqu'un qui fait 30 ans dans l'administration, c'est un père de famille. S'il n'a pas des enfants, il a des neveux. En tout cas, il a son petit frère chez lui. Vous venez, vous envoyez toutes ces personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Mais vous savez, les illettrés, le nom qu'on dit là, ils ne voient pas, ils n'analysent pas, ils ne voient pas le danger. Pour eux, le projet que Alpha Condé a initié, que Mamadi est en train de finir, c'est la forme là, c'est ce qu'eux, ils voient. Parce que ça, c'est visible. Ils disent Mamadi est en train de travailler. Mais il est en train de tuer les Guinéens. Aujourd'hui, il y a des familles aujourd'hui. Même le père de famille ne peut rien dire devant sa fille aujourd'hui. Sa fille sort, elle rentre le matin. Le père de famille, il n'y a plus de dignité. Quelqu'un, le père de famille qui ne donne pas la dépense, qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Tu n'as pas de moyens. Mon frère, mais certains Guinéens ne voient pas tout cela. C'est ce que les autres t'ont laissé, que eux, ils viennent s'asseoir devant nous. Ah, Mamadi travaille. Et regardez Bambeto. Ils ne savent même pas d'où l'argent vient. Comment le projet a été monté. Non. Mais les Guinéens que Mamadi a envoyés à la retraite, des Guinéens que Mamadi fait souffrir aujourd'hui, ils ne voient pas ça. Ouais. Moi, j'ai même regardé une fois qu'ils ont commencé à parler de l'échange de Bambeto. J'ai dit ça, c'est deux semaines avant le départ de Conseil Alpha Condé, ça a été financé par le fonds cohésion. Et d'aller voir,
Il y a un mail, il y a une sur la page LinkedIn de la primature de l'époque de Dr. Kassori. Il dit, allez voir, 2 semaines avant leur départ, ils avaient déjà bouclé, signé les accords avec le fonds commissaire. Le financement, c'est là. Je dis, regardez les voilises de Conakry. Ça, c'est financé sur l'accord cadre qui avait été trouvé avec les Chinois, sur les 20 milliards de dollars sur 20 ans. C'est dans ça que tout cela est financé aujourd'hui, les voilises de. C'est bien marqué 200 milliards et quelques. Donc, maman, il n'a rien financé. Et d'ailleurs, Je dis, c'est comme si quelqu'un il vient, il plante un arbre, il voilà, arrose l'arbre, quand Pitaka, ça fait des fruits. même dans l'accord cadre, les 1 milliard d'investissements chaque année, là, tout ça c'est bloqué. Tu vois, aujourd'hui, ils vont pleurnicher auprès des banques primaires, là. Tu pensais que, regarde le plan de riposte de Dr. Kassori, les 40, 40, 46 millions, Alpha Condé n'avait même pas besoin de ça. Il avait dit à Dr. Kassori d'attendre. Quelqu'un qui avait besoin d'argent, est-ce allait demander à son premier ministre, non, nous n'avons pas besoin de ça actuellement. Parce qu'il y avait de l'argent. On avait fait, il avait tout fermé. Tu vois. Regarde, moi, sincèrement, quand je regarde comment fonctionne la SONAP. La SONAP fonctionnait bien. Elle s'autofinançait, elle n'avait même pas besoin d'argent de l'État pour fonctionner. C'était le prélèvement des 20 francs guinéens à la pompe à litre d'essence vendue. C'est avec ça qu'on finançait la SONAP. D'ailleurs, tu viens de soulever un bon sujet là. Tu as, il faut voir, va dans les médias, tu vas voir. Tu sais qu'actuellement, il y a beaucoup de véhicules aujourd'hui qui tombent en panne dans ces 2 jours-là. Il faut demander en Guinée parce que la qualité de carburant qu'on nous vend aujourd'hui, ce n'est pas de la bonne qualité. C'est en Ah, train de c'est détruire les moteurs. Va demander même les pêcheurs qui achètent aujourd'hui de l'essence à la pompe qui vont en haute mer là. Les moteurs se gâchent complètement. Va demander. Il y a beaucoup de véhicules aujourd'hui à Conakry qui sont en panne. Les gens ne savent pas pourquoi. La qualité, parce que les marchés qu'ils ont signés, ils n'ont pas analysé. Tu te rappelles, quand ils ont interrompu leur marché avec la Sierra Leone, le premier bateau qui est venu, tu sais que ce chargement n'a pas été débarqué parce que ce n'était pas de la bonne qualité. C'est du Et gaz. les gars là, ils ont continué sur ça. Moi, une fois, j'ai fait un truc avec Niel. Niel a dit, ils ont fait 10 litres et j'ai marché, j'ai conduit quelques. Allez chez mes amis, je reviens, je trouve qu'il n'y a plus rien dedans. Il dit, André, qu'il y a du gaz. Bon, tu sais, actuellement, bon, c'est nous qui devons encore multiplier les vidéos, faire autant de Yeah. vidéos. Et puis Et regarde ce qu'il faut en comme Francie, regarde comment tu. nos grands frères, nos frères journalistes sont devenus des blogueurs maintenant, nous aussi, on va les encourager aussi. Ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit Facebook, il y a Damaro, il y a Benito et Mahmoud Silla, ils sont bien assis là-bas. Moi, je suis sur TikTok. Donc, TikTok, ils sont fatigués. Non. Maman, il y a des gens là-bas parce que là-bas, c'est le débat. Vous êtes patient envers ces gens-là. Mais moi, je n'ai pas ce tempérament-là. Moi, j'aime que le one-man show. Non, vaut C'est-à-dire, moi, je ne mieux. vais pas donner la parole à des ignorants pour venir encore m'emmerder ici. C'est pourquoi moi, Voilà, ils vont faire du c'est pourquoi sur gazole TikTok, je ne vais même pas. Parce qu'il y a des idiots qui ne savent même pas raisonner, qui vont venir raconter de n'importe quoi. Ça, TikTok, c'est-à-dire que c'est du bavardage pour rien. C'est ce qu'ils ont fait. voilà. C'est tout le monde monte, maîtrise le sujet, comprend, là, il y a l'information, t'as pas, tout le monde parle. Donc, du coup, c'est du borombara, en fait, tu vois. C'est ce que je leur dis, je dis le réseau de toute façon. Tu Facebook, sais, c'est bouclé. Facebook, il y a des propos qu'ils tiennent sur TikTok. Tu tiens ça ici, là, ils vont te bannir Ah directement. oui, c'est vite fait. Ils vont bloquer ta vidéo. Il y a des propos que eux, ils tiennent là-bas, ils font certaines choses sur TikTok. Ils savent que Facebook sanctionne les restrictions sur Facebook. C'est sévère par rapport à TikTok. Non, c'est Et c'est automatique. une fois qu'on les suspend sur Facebook, ils fuient pour aller sur TikTok, aller raconter des salades. Tout ce qui est Non, tu contre sais, eux. il avait acheté des pages, tu vois. Il y a des pages, je ne sais pas si il y a des pages qu'il avait achetées, tu vois. Où, maman dit, tout le jour. Mais là, on a tellement mis la pression qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Parle de Facebook, j'ai dit non, Facebook, moi, je ne vais pas là-bas. Facebook est géré. Il y a Damaro, Benito et les autres, ils gèrent Facebook. Donc, à part eux, il n'y a pas d'autres personnes. De Où ils toute sont façon, donc, aujourd'hui, c'est mon mari n'a pas sa place. comment négocier les gens, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Je te dis, lors du dernier tournoi de Washington, les gars de CND, tu vois tout le bruit là, c'est à Conakry. Ici, là, quand ils sont face à nous, là, c'est des petites personnes. Hé, champion, il dit, toi aussi,
Il faut nous oublier. Ou bien toi aussi, il faut qu'on négocie. J'ai dit négocier quoi? Mais libérer d'abord les prisonniers. Libérer les prisonniers. La négociation d'abord, ça commence par ça. Libérer tous les prisonniers. Celui dans les rentes aussi. Maintenant qu'on parle de dialogue. Voilà. Nous, on n'est pas là forcément pour dire Alpha Condé, Alpha Condé. Mais ce qui est bien pour le pays, c'est ce que nous défendons. Donc, voilà. Sincèrement, regarde ce qu'ils font aujourd'hui à Koronti. Ils vont là-bas et après le truc, ils veulent exproprier les gens sans les rembourser, sans rien faire. Et puis, ils commencent à dire maintenant, il faut qu'ils aillent à Dubré, qu'à aller vivre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, tu sais, moi je pense que Mamadi, le problème c'est la division des gens. Quand on touche les gens de Koloma, les gens de Anou, on n'est pas concerné. Quand il va à Kaloum, il touche les gens de Kaloum, on est... il faut que tout le monde se lève. Il faut que tout le monde se lève. Là, tu as raison. Donc, le soir, je vais passer dans ton live sur TikTok. Voilà. Non, viens, tu sais, quand tu es là, merci à tout le monde. C'est notre frère Pitaka. Donc, le combat continue. Lui, eux, ils sont sur TikTok. Ils ont maîtrisé TikTok. Les supporters des bandits n'ont plus la voix là-bas. Donc, ici, nous sommes sur Facebook. Donc, voilà. tout est fermé, quoi. Donc, merci beaucoup, mon frère. Merci à toi, vraiment. Voilà. C'est gentil, ça me fait plaisir. Okay. Merci. Merci. Avec plaisir, merci. Okay. Allez, merci à tout le monde. Ok. Donc, merci les gars. C'était Pitaka, notre ami. Donc, le combat continue, les gars. On est ensemble. Bonne soirée à tout le monde. Bana Bana, vous connaissez déjà Pitaka. Ce n'est pas maintenant que lui, il est dans ce combat. Moussa Balak, Aissatou Diallo, merci à vous. Malik Fofana, voilà. Pitaka aussi, c'est un rassembleur. Lui, il appelle aussi à l'unité. Lui n'est pas radical pour dire lancer DSK Traoré. Merci, mon frère. Merci à Fatmata Keïta. Bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. On est...